Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est... Aujourd'hui on est le... L'amour. J'ai envie de voir la vidéo de Tata. La vidéo de Tata, je vais te la montrer après. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le 31 juillet, on est mercredi. Il est 10h, 10h30, on ne sait pas trop. Donc je ne vous ai pas pris avec nous avant parce que c'était un peu compliqué. On est parti en vacances. J'avais un vlog pour vendredi puis finalement je ne l'ai pas fini donc vous ne le verrez pas. On est en vacances depuis dimanche. On est arrivé dimanche matin ici dans une caravane. Peut-être que ça vous est familier, peut-être que pas du tout. Je vous fais visiter après. Est-ce que vous voyez que je suis un peu bronzée? Je ne sais pas si vous le voyez, j'espère, parce que j'ai souffert. Ça m'a genre piqué le nez pendant 2 jours. Donc on est arrivé dimanche matin. Je suis au camping de Grey-sur-Mer dans le Calvados. Voilà, pas très très loin. Avec mamie, papy, qui sont dans une caravane d'à côté. Et je loue une petite caravane à un petit grand-père. Voilà, enfin un petit grand-père. Pas si grand-père que ça. Mais à un monsieur. Un monsieur, voilà. Voilà. Donc c'était pas spécialement prévu que je parte. Puisque je me suis pas organisée avant pour partir en vacances, je savais pas. Franchement, ça me semblait compliqué avec les enfants et ma grand-mère m'a dit qu'il y avait cette caravane à louer, voilà, pour pas très très cher. Le monsieur m'avait même fait un petit prix puisque je suis toute seule avec les enfants, il m'a fait 100€ au lieu de 150. Voilà, donc voilà mes vacances. Non, ici vous ne verrez pas un camping de fou avec piscine, etc. Vous ne verrez pas un hôtel 5 étoiles ou ce que vous voulez bien. Je suis là dans ma petite caravane très vintage dans le Calvados pour une semaine. Voilà. Alors faut savoir que pour moi les vacances c'est camping, hein. Ça a toujours été ça, j'ai connu que ça avec mes parents. Puisqu'ils sont partis, après ils louaient des petites maisons, villas avec piscine privée, etc. Mais moi je travaillais. J'ai travaillé l'été dès que j'ai pu, à partir de 18 ans je crois. J'ai travaillé l'été, donc ils sont partis juste avec ma soeur et moi je n'ai connu que les vacances au camping. Et ça a été les meilleures vacances de toute ma vie. Voilà, on dormait dans une tente avec ma soeur quand on a pu. C'était génial, c'était merveilleux. Donc là je suis... pas du tout perdue ni frustrée d'être ici. C'est juste le temps. Ça fait 2 jours qu'il fait pas très beau. Bref, je vous parle beaucoup. Donc là, Ethan vient seulement de se lever. C'est un peu dur par contre les nuits avec un bébé dans la caravane. J'ai pas de lit parapluie qui rentre. J'ai voulu en acheter un hier, mais 100€. Non, hein, parce que enfin, on ne reste qu'une semaine. C'est trop dur, donc on dort tous les deux, tous les trois, dans le lit qui est là. Je vais essayer de vous montrer, mais il fait nuit. Alors faites pas gaffe, c'est le bazar, on a dormi. Donc voilà, on dort ici, donc Ethan il dort au fond. Enfin généralement il glisse, il dort là. Moi je dors comme ça en biais et Théa dort ici. On a dû caler des coussins parce qu'il y a un petit trou en fait ici. Et un petit trou ici. Donc en fait elle peut tomber. Et ici le soir je mets un autre coussin. Voilà, c'est le bazar. Oui c'est très dur, on va aller faire pipi. Et ici je pense, vous voyez il y a une espèce de coin salon. Ben, on a pris les coussins du coup. Et voilà, bon c'est un peu le bazar, j'ai beaucoup de choses. Hein. Ici il y a une pièce toilette mais il n'y a pas de toilette, enfin j'y vais pas quoi. Voilà. Voilà. Ah et on a ramené Bibou de la foire. De la foire à tout ce week-end. Donc voilà ce petit lapin, bon c'est un peu dur avec son plâtre évidemment. Ah, fais voir le doudou que j'ai acheté hier. Bah t'es pas obligé de me le balancer non. Hier on est allé faire un petit tour du coup chez Bébé Neuf pour trouver un lit parapluie adaptable dans la caravane comme je vous le disais. Et ils ont sorti une nouvelle collection avec Miffy que j'adore. Donc j'ai pris celui-ci pour Théa. Et il est où le tien? Fais voir à maman. Non. Bah sois gentil.
Montre à maman. Non, pas les pas de patrouille, ça c'est papa qui t'a. On a payé d'autres, du coup on les a presque tous. Il manque juste Marcus. Faut qu'on trouve Marcus. Alors, voilà. Ethan en voulait un absolument. Attends, donc on a pris ça pour que ça aille dans les couleurs de sa chambre. Il avait pris jaune moutarde au début, mais il n'y avait pas le petit grelot dans la tête. Ils sont au même prix. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris plus gros pour Théa. C'est pas que je la préfère, c'est qu'ils étaient au même prix. Donc celui-ci, 12,90€ ou 99€, je sais plus. Et celui d'Ethan, le même prix. Donc voilà, hein, je me suis pas privée. J'ai pris la taille du dessus. Hein, t'es content? Il est content parce qu'il y a un petit grelot en fait dans la tête. Donc voilà, c'est surtout déco. Hein. J'ai un petit problème de passion avec les peluches. Et là, il y a Mystéa qui fait sa petite sieste dans la poussette du coup. Je la vois. Tu vois comment t'es tout beau? La classe. On voit même pas ton gel. Quoi? T'es beau, hein. Alors, il s'est rien passé de plus. Et comme je n'ai pas... Bah mince. Comme j'ai pas pris de sèche-cheveux, je vous le dis, je me sèche pas les cheveux, mais le problème c'est que d'habitude je lisse ma frange, enfin ma mèche là qui est sur le côté, et j'ai pas pris mon lisseur non plus, donc du coup j'ai mis ça pour lui faire prendre un pli, le temps que mes cheveux sèchent, ils sont presque secs avec le vent qui fait dehors. Là on avait trouvé un petit jeu de cartes dans la caravane, mais Ethan ne sait pas jouer aux cartes, mais il s'est amusé avec ça, et là je lui ai acheté hier un truc à babou, je vais vous montrer. Je lui ai acheté une petite cible, comme il peut rien faire à cause de... son plâtre. Je vous ai pas dit, mais vendredi, il est retourné à l'hôpital du coup aux urgences pour se faire replâtrer parce que comme le plâtre avait été mouillé, il fallait qu'on retourne le faire changer. Donc voilà, il est plâtré comme ça jusque mi-août. Je sais pas si ça va tenir comme ça, Loulou. Mais non, mais la dernière fois, ça tenait. Oh, t'as gagné. Ouais, et toi, t'as triché. Comment joindre l'utile à l'agréable? Je m'allonge, on joue. Bon, moi j'ai des flèches, c'est encore plus dur. Allez, on y va. J'ai gagné. Non, t'as triché. Mais j'ai pas triché. Mais si, ça. Le rouge et l'orange et le noir, ça veut dire tricher. Oh non, mais il est gonflé celui-là. Mauvaise foi. Mauvais perdant. Eh ben là, j'ai gagné. Hein. Oh bah ben, regarde. Ouais, mais j'ai plus gagné que toi. Ben non. Pourquoi? Si ces flèches là, ben ça veut dire tricher. Ah non, mais regardez-le, cet escroc. Quelle mauvaise foi, c'est moi qui ai fait le milieu. C'est moi qui ai fait plutôt le milieu. Quel arnaqueur. J'allais faire plutôt le vert. Ben voyons. Allez, on y va. J'ai fait le vert, donc j'ai gagné. Oui, hein. Ben non, t'as pas presque tout. Oui, tu te fous de moi. Attention, il y a un trou. La Mystéa qui s'est réveillée. Non, tu peux le faire aussi. Hein. Un petit pantalon qu'on a trouvé à la foire à tout dimanche. Maman, tu peux le faire aussi. On l'a lavé, bien sûr. Tu peux le faire aussi, maman. On l'a lavé, il a séché. Maman, tu peux le faire aussi. Bah vas-y, donne-moi ça. Merci. On trouve maintenant, il est 18h. À peu près. On est allé à Action, je vous ai pas emmené, je vous montrerai ce que j'ai pris, des bricoles pour qu'Ethan il s'occupe en fait, qu'il peut pas se baigner. Et j'ai reçu son sac de protection pour la piscine, enfin pour se mouiller. Donc je vous montre ça aussi après. Là je vais aller laver Théa, la mission. T'as pas avec ses doigts l'air de dire. Bah non, pas par terre, gâchis là. Fais attention, oui, tiens-les bien, ça glisse. Non mais Théa, prends le temps de mâcher. Non. Tu vides la bouche d'abord. Oh la garce.
Alors, deuxième jour aujourd'hui, c'est jeudi 1er août. Oui, c'est la crème pour les pieds de maman. Tout va bien, vas-y, mange-la. Je m'apprête à changer cette demoiselle, enfin l'habiller du moins, c'est le matin. Ah oui, Miss. Coucou, coucou, ouais, on va s'habiller, on va changer. Je vais pas montrer le bobo que mademoiselle s'est fait. Ah, j'ai flou. Tu veux pas montrer? Elle s'est réveillée comme ça la première nuit. Montre à maman. Oui, c'est pas. C'est juste une grippe. Oh mon non, tu voulais te lever, tu voulais te lever. Chut. Tiens, donne la main. Voilà. C'est toi. T'arrêtes pas d'être belle, toi. Non, pas les toits dessus. Fais coucou. Tiens. C'est les jouets de ton frère, ça. Maman va aller chercher un jouet. En fait, j'ai fait des achats sur Vinted avant de partir. Et du coup, pour être sûre de ne pas les louper, vous voyez, qu'ils soient envoyés au point relais et que la semaine où je suis pas là, ils repartent, je les ai fait livrer ici. Enfin, juste un colis, l'autre, je l'ai fait livrer chez moi parce que je serais rentrée. Mais du coup, on va aller chercher. C'est un jouet pour Théa. Il y a deux vêtements, deux ou trois vêtements, je crois. Donc, on va aller chercher ça au point relais du village d'à côté, à Courseul, sur mer. Et je vais sûrement emmener Tanou faire un petit tour de la neige au passage. Je laisse Théa, ma grand-mère s'en occupe, elle est très contente de profiter de sa petite fille, mais son arrière-petite fille, bref, c'est tout pareil, elle est trop contente de profiter de Louloute. Voilà, et moi c'est plus simple de ne voyager qu'avec un seul enfant, comment dire, enfin qui marche pas quoi, je cherchais le mot mais je ne le trouve pas, un enfant qui ne marche pas. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire là, on y va. Enfin, je vais habiller Tanou avant. Du coup, je reprends maintenant. On a mangé, on est en train d'endormir Théa. On va se préparer pour aller à la plage avec Ethan. Et je vais vous montrer. On a acheté des. Enfin, ma grand-mère m'a acheté des petits vêtements dimanche à une foire à tout pour Théa. Cette petite jupe qui est juste, mais magnifique quoi. Je ne trouve pas l'étiquette avec la marque. Je ne sais pas d'où elle vient. Mais je la trouve juste sublime pour Noël, pour le mois de décembre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas trop comment vous la montrer. Mais bon, je pense que vous voyez combien elle est jolie. Je la trouve magnifique. Voilà. Hop. Ensuite, il y a aussi celle-ci qui fait très Noël, je trouve, fête de fin d'année. Avec un beau bleu comme ça et un petit truc en or avec des petites couronnes très mignonnes. J'adore les petites jupes. Une petite chemise comme ça de chez Zara. Bon, alors elle est à l'envers, mais vous voyez un peu, voilà. Petite chemise rose, petit chemisier trop mignon. Un petit jean, par exemple, pour aller avec de chez Zara. Jean tout simple, mais Théa elle est jamais en jean, j'aime pas ça, je trouve ça pas confortable pour les bébés. Elle avait le même d'ailleurs quand elle était plus petite, il me semble que c'est exactement le même. Mais je me dis là, si jamais elle se tient debout et tout, c'est puis c'est surtout pour les photos, je vous avoue c'est aussi pour les photos, faire des petits looks sympas. C'est pour ça que je les achète pas neufs les jeans, parce qu'elle les porte vraiment pas. Et ce pull, gros coup de cœur sur ce pull qui est d'une douceur pas possible. Voilà, je sais pas qui m'a dit, je ne sais pas c'est quelle marque. Enfin ça vient de quel magasin, mais j'adore, il est tout souple, tout élastique et tout doux. Donc voilà ce qu'on lui a pris, et un gilet, ah si attendez, je le vois. Grand-mère qui lui a pris parce que j'en avais pas prévu, je pensais pas qu'il y aurait autant de vent ici. Un petit gilet comme ça, tout mignon, qui vient de chez Carrefour, fourré comme ça dedans. Un pantalon qu'elle portait hier, je crois que je vous l'ai montré. Et cette petite salopette en jean, voilà trop mignon, ça j'adore ce genre de choses, je pense qu'elle va le mettre ça demain. Là c'est mon colis Vinted que je viens d'aller récupérer, même en vacances. Hein. Oula, un petit bonnet, je vous avouerai, à la base j'ai commandé pour un jouet que je cherche depuis Noël pour Théa, que je ne trouvais nulle part. Il est en rupture de stock tout le temps, même pour son anniv. Donc je l'ai acheté d'occasion et j'en ai profité. La dame vendait aussi des vêtements pour prendre bah voilà, quelques petits vêtements en plus dans le colis, histoire de ne pas payer des frais de port juste pour un truc. Petite blouse comme ça, alors j'ai pris du 2 ans. La dame vendait du 2 ans, donc voilà, c'est pas perdu. Un manteau comme ça de chez Orchestra, donc voilà, des manteaux, elle en a une bonne dizaine à chaque fois dans la même taille, mais au moins un de chaque style pour aller avec chaque vêtement. Je sais pas si vous êtes comme moi, plutôt que d'aller lui payer un manteau à 40 euros neuf, je préfère en acheter à 5 euros une dizaine. Et je vous dis ça parce que pour Ethan, j'avais acheté son tout premier manteau, 40 euros, il l'a mis 3 fois, et on avait acheté des manteaux en foire à tout, etc., d'occasion, et j'en avais récupéré de son cousin.
Et donc au final, le manteau 40 euros que j'ai revendu 8 euros tout neuf, j'étais un peu dégoûtée. Voilà, donc j'ai décidé que je ne ferai plus cette erreur deux fois. Le jouet, c'est ça, ce fameux jouet qu'on ne trouve plus nulle part, en rupture de stock à chaque fois, partout, partout. Donc là, au moins, on l'a. Maman, regarde les cordes, là. Oui. On va essayer d'aller à la plage. Mais je crois que le métier maintenant, il a fait le orange. Non, le drapeau est toujours vert. Pourquoi il est toujours vert? Parce qu'il y a toujours du soleil. Ça dérange.